La famille, j'espère que vous allez bien. Hein? On est ensemble. Franchement, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Hey! Depuis un moment, on attendait ce son. Le feat, Lacrim featuring Rick Ross. Le son est enfin sorti. Je vais vous dire un truc. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai vu un Lacrim différent qu'on a l'habitude de voir. Lacrim, il a posé vraiment différemment. Cet album que Lacrim l'a fait, voilà, il a voulu se démarquer un peu vraiment des autres rappeurs. Vous savez, ça fait un an que ce featuring il avait été annoncé. Et depuis 2018, là maintenant, on est en 2019, le son il est sorti. Et 9 heures personnelles, franchement, ça fait vraiment plaisir. Lacrim, il est lourd, sale, propre dedans, comme dirait tonton Marcel. Et je vais vous dire un truc. Rick Ross, il a respecté Lacrim. Il lui a donné un couplet de malade. Les gestuels de malade. Le truc, il est propre. Hey, le clip, il est lourd, il est sale, il est propre. Il n'y a pas de. Bon, il n'y a pas de zigzag dedans. Voilà, ils sont venus. Ils ont fait leur feat. Il a ramassé son oseille, Rick Ross. Et calmement, il est rentré chez lui. Lacrim, pareil, calmement, il est rentré chez lui. Qui peut dire que il est plus fort que Lacrim aujourd'hui? Lacrim? Il est toujours resté au top depuis pas mal de temps, depuis des années. Ne dites pas que tonton Marcel fait du susbitage. Je m'en bats la race, vous pouvez dire ce que vous voulez. J'adore vos commentaires. J'adore vos commentaires. Je fais une chronique d'un artiste parce que je respecte l'artiste. Je ne respecte pas l'artiste. Je m'en bats la race, je ne fais pas l'artiste. Je ne fais pas comment s'appelle le chronique. Il y a plein de rappeurs ou d'artistes qui sont sortis, qui ont sorti des clips et ça ne m'intéresse pas de les chroniquer parce que je m'en bats la race d'eux. Comme eux de même, ils s'en battent la race de moi. Donc moi, pourquoi faire? Donc moi, je chronique même celui qui s'en bat la race de moi. Si je veux le chroniquer, j'ai le droit de le chroniquer. C'est moi qui décide qui je chronique pas. Donc, ce son, Lacrim featuring Rick Ross, 9 heures personnelles, je l'ai vraiment aimé. J'ai vraiment adhéré au clip. J'ai vraiment, comment ça s'appelle? Je me suis vraiment projeté dans le clip et je me suis dit, putain, Lacrim. Pourquoi il sort ce son que maintenant alors que nous avons lancé l'année dernière? Mais avec réflexion, tu te dis c'est normal. C'est normal. Il avait d'autres sons à promotionner, d'autres sons à mettre en avant, tels que le son avec, comment s'appelle, 6ix9ine. Vous voyez? Donc, voilà, 6ix9ine. Donc, il y avait plein de trucs. J'ai dit l'ancien label de Cynic et 6ix9ine, alors que c'est 6ix9ine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a plein de trucs qui ont fait que ce son-là a été retardé. Mais il tombe au bon moment. Parce que de la manière qu'il fait chaud actuellement en France, on a l'impression que le son, c'est un son d'été qui sort maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, Lacrim, voilà, il nous fait plaisir. Quand il revient, c'est vraiment calculé. La communication est bien faite. Voilà, ça déborde pas trop, franchement. Lourd, sale propre. Grosse force à toi, mon frère. Lacrim, c'était tonton Marcel. On est ensemble. Continuez à vous abonner à la chaîne YouTube. On vous embrasse du fond du cœur. Ciao. Bah!